C'est parti! Endpoint contre Team Vitality, le premier match est lancé. Et il va falloir rentrer fort dans ce match. Allez, Zen qui va partir, plein axe, il a pas beaucoup de boost, il va s'effacer intelligemment au profit de son coéquipier. Radozin qui veut partir, le ballon qui est bloqué par Mitaen. Arju, il a de l'espace ici, il va falloir tout de suite resserrer dans le milieu de terrain. C'est Alpha qui va s'en charger avec ce ballon qui est envoyé. Alpha qui attend. Ok, c'est Radozin pour renvoyer ce ballon complètement de l'autre côté du terrain. Radozin qui cherchait des démolitions, la frappe directe. On a été gêné dans la défense des endpoints, mais pour le moment on n'a pas trouvé le tir derrière qui va nous permettre de véritablement trouver la faille. Il y a le plugin. Ah oui, je vous enlève le plugin juste après, vous inquiétez pas. C'est pas très très gênant, je vous l'enlève juste après les amis. Comme ça vous voyez l'action pendant un pub. Pendant un pub j'allais dire, pendant un but. La pub, ne vous inquiétez pas, elle est dans 30 minutes hein, les amis. Donc on est très bien, tout a été réglé là-dessus. C'est parce qu'en même temps, je regardais le timer de la pub. C'est pour ça que j'ai mixé les deux mots. Bref, une minute restante. Et attention quand même à cette passivité défensive. Arju qui est venu un petit peu bloquer ce ballon juste devant notre ligne. Alpha, il a la ressource, il a le ballon. Malheureusement pour lui, c'est Smokez qui est venu le gêner, qui va tenter la passe en retrait. Voilà la démolition, double démolition. Il ne reste plus qu'un joueur du côté des endpoints. C'est Arju qui essaie de repartir, qui gagne du temps. C'est bien fait hein, ce qu'il a fait. Mais derrière, on va pouvoir remettre la main sur ce ballon avec Radozin qui a fait la différence. Vous l'avez vu, il y a eu une démolition de la part de Zen aussi. Il n'y a pas de bout du côté de Radozin, c'est le fake. Et derrière, c'est follow. L'ouverture du score pour le joueur. Voilà, monsieur. Je vous enlève le plugin, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, papy. 1-0, l'équipe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il reste encore 3 minutes 30. Et on est reparti sur ce nouvel engagement avec un kick-off peu conventionnel. On le sait, les kick-offs, c'est ce qui nous a causé beaucoup de tort quand même. Globalement, dans la compétition depuis le début. Zen qui propulse ce ballon vers l'avant, il va chercher la démolition. C'est évité par Mitaen qui veut repartir le long du mur. Bonne pression de la part de Radozin. Arju dans les airs qui essaie de contrôler et qui a réussi à passer Alpha. Attention, Zen roule 50-50 qui va revenir plein axe. Je pense qu'il n'y a plus personne derrière. Si, le retour salvateur de la part de Radozinho parce qu'elle était sèche cette frappe. Elle était juste en dessous de la barre transversale. Ça nécessitait une intervention. Vous l'avez vu, Radozin qui est parti aller chercher la démolition. Attention, Arju qui est venu bumper. On est seul sur la ligne du côté d'Alpha qui ne peut rien faire. Réduction de l'écart, égalisation même. Du côté des endpoints. C'est pas grave, c'est le premier match, on se chauffe, il y a égalité, il y a rien du tout, il y a air les amis. Bah, je pensais que c'était la voiture de Radozin, très honnêtement, le sticker de Zen tout à l'heure. Et non, Radozin qui joue une voiture bah, normale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les amis? Oh attention ici, hein. On a laissé frapper du côté d'Alpha. Heureusement qu'il y avait Zen derrière, il avait drouillé un peu les joueurs, mais derrière c'est compliqué de repartir. Allez Alpha, il a du boost. Il a de l'espace le long du mur. Il va se setup ce ballon. Est-ce qu'il peut reprendre le reset? Il ne l'a pas obtenu. Malheureusement, il cherche les bumps. Zen qui frappe pas, qui enchaîne les duels. Et Radozin qui se fait un petit peu surprendre. Le très bon Alflip pour se repositionner et reconstruire depuis l'arrière-garde. Alpha qui contrôle cette balle face à Arju qui vient le bloquer dans un premier temps. Zen qui relance dans l'axe et qui malheureusement ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mitaen, il est bloqué. Voilà, tout de suite on lui met la bonne pression. Là, l'Alpha s'est bien fait cette première touche de balle avec Arju qui va devoir décoller. Oh attention, c'est quasiment raté. Arju, la frappe de Radozin en première intention. Zen sur le côté. Alpha le tire. Ah oui, papy, la connexion. Le jeu à deux ici, le 1-2 pour aller chercher la faille dans la défense des endpoints. On va le revoir, Zen. La passe sur le côté. Alpha le tir croisé, petit filet. Les deux derniers défenseurs qui sont battus de 1. On repasse devant. Oui, monsieur, c'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. J'ai vu le sourire, mon coca. J'ai vu le sourire, mon coca. Efface-moi ce sourire. De partout. Le kick-off goal, le fameux. Voilà, c'est Patoche. Patoche qui sourit, on prend un kick-off goal. Toi, tu vas nous rendre des comptes, mon frérot. Tu vas voir quand Néo il va t'envoyer un DM. Je serai pas là pour écrire à ta place. Zen qui vient chercher le contre. Allez, c'est pas grave, on a pris ce kick-off goal. C'est des choses qui arrivent, c'est un fait de jeu. Dans le contenu, on est au-dessus. Oui, Zen, c'est bien fait. Voilà, montre-leur, mon petit Zen. Excellent, le 50-50 est derrière. Il va utiliser sa ressource. Regardez ici face à Smokez. Voilà, le positionnement qui vient battre Mitaen en position de dernier joueur. 3-2, on repasse devant. On reste concentré. Attention au kick-off.
Là, normalement, j'allais dire c'est pas trop mal, mais on va quand même se trouver dans une situation de 1v1. Alpha qui tout de suite se projette pour venir resserrer les lignes, resserrer les rangs. Alpha qui ne peut rien faire. Attention, Smokes qui va tenter la double tap. C'est Radozin qui s'impose. Très belle déviation. Zen face à Mitaen. Ce ballon qui revient dans l'axe. Alpha qui fait une petite touche pour essayer de ralentir, de gêner la construction du jeu adverse. Et Radozinho qui va essayer de s'échapper le long du mur. On arrive tout doucement dans la dernière minute de jeu. On est toujours devant. C'est nous qui créons le jeu. Allez, Zen, pourquoi pas ici? Le flip reset, il est passé en dessous. Zen, il y va tout seul. Ça se jette à deux. Et là, il n'y a plus qu'à pousser. Oh, les travaux. Ingénieur BTP du côté de Zen. Regardez ça. Le reset fake. Il l'a envoyé dans le vent. Le flip reset qui oblige deux joueurs à se jeter. Derrière, c'est complètement open pour Radozin. Excellent. 4 à 2. Le break est instauré alors qu'on s'approche de la dernière minute de jeu. Allez, pas de kick-off goal. No kick off Golo. La démolition, c'est parfait. Alpha, il a encore de la ressource. Il a l'avantage ici. La passe second poteau qui est tentée pour Radozin qui ne se jette pas forcément. On a l'avantage. Ça sert à rien de se jeter sur des ballons qui servent à rien. Arju qui s'emmène cette balle le long du mur. C'est intercepté. Mitaen largement devant. Attention à l'angle impossible. C'était cadré. Se redirect cette lecture de la part de Mitaen. Alpha qui renvoie loin devant, il a zéro de boost, mais il va prendre le boost adverse, il cherche la démolition, il a obtenu le bump. Zen qui accélère la vitesse ici dans le corner, et Radozin qui tente sa chance. Retour in extremis de Arju sur sa ligne. Smokes qui envoie dans ce ballon dans le corner, il a plus de ressources. Zen qui essaie de partir. Ouh, Alpha qui est dans une position délicate. Il va devoir attendre sur le backboard. Ce ballon qui revient sans aucun problème pour Radozin qui vient jouer son duel. Zen l'enchaînement. Il a poussé cette balle un petit peu trop loin. Mais c'est un ballon qui, à mon avis, jouable dans l'axe. Pas de joueur orange pour le moment. Mitaen qui va pousser sur le côté du terrain. Les amis, il reste moins de 10 secondes à jouer. 6 secondes plus précisément. On mène 2 buts. On devrait aller chercher le premier point dans cette série. Je compte sur vous pour faire un maximum de bruit. Ce ballon qui va toucher le sol incessamment sous peu. Encore une touche de balle de la part de Zen. Mitaen qui remet. Il veut aller chercher un but, mais cette balle est toujours là, elle touche le sol, c'est fait. Si on arrivait à aller chercher le deuxième point de cette série, c'est reparti. L'engagement, et on ne va pas au kick-off pour laisser ce ballon à Radozin. Strat kick-off, c'est travailler la team. Arju, attention, qui a fait des différences. Ce ballon dans l'axe, est-ce qu'on a le temps de revenir? Quelle parade d'Alpha 54, c'était quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'était même complètement open, mais il a réussi à dévier ce ballon du bout du pare-choc. Arju qui veut tenter sa chance face à Zen, c'est bloqué. Est-ce que derrière on peut construire? Oh, Zen qui pousse cette balle loin devant pour Alpha, c'est peut-être un petit peu trop en profondeur. Alpha, il vient chercher les démolitions, il va tenter la passe au second poteau. Il a malheureusement raté sa touche de balle. C'est Mitaen qui va pouvoir récupérer, qui a réussi à dribbler un premier joueur. Radozin dans le corner, qui écarte intelligemment vers Zen qui attendait. Zen qui décide de repartir au sol, pour repartir instantanément sur le mur. Est-ce qu'il peut faire une première différence? Il prend son flip reset. Derrière, il fake un petit peu la défense, mais ça n'aboutira pas sur une véritable action dangereuse. Peut-être ici, Alpha face à Smokes. Il a réussi à se détacher de deux joueurs. Attention, parce que là, il n'y a plus que Radozinho qui est tout seul sur sa ligne. Radozin, il faut être fort. Et bien sûr qu'il est fort, Radozin, qui arrive à déjouer ce 2v1. Et il y avait peut-être même la situation pour une contre-attaque. Mais ce ballon qui va finalement rester dans notre camp. Smokes qui remet en retrait pour Mitaen. La frappe. Oh, c'est trop. Oh, la chatte à Mitaen. Oh, oh, qu'est-ce que c'est, ce poteau de solo queue? Mes couilles, oh! Allez, 1-0, les amis, c'est pas grave. Bon, en réalité, c'est peut-être la séquence la plus aboutie qu'ils aient eue jusque-là dans cette série. Donc, on va dire que la vie les a récompensés. Mais on va leur montrer que la vie peut les punir également. Alpha, qui tente le turn. Ce ballon qui va retomber dans l'axe, il faut absolument intervenir. C'est Radozin qui s'en charge en deux temps, suivi de très près par Zen, qui envoie cette balle sur le backboard. C'est défendu, démolition peut-être intéressant. Ça fait une situation d'infériorité numérique. Il y avait deux joueurs démolis, mais malheureusement il y a une belle intervention défensive de la part de Smokes. Mitaen qui veut repartir de l'avant. Zen sur le backboard qui va contrôler cette balle. Le flip reset pour continuer. Malheureusement on n'arrive pas à véritablement sortir de notre moitié de terrain. On est bloqué à chaque fois. Zen la lecture, l'angle impossible. C'est une passe pour Radozin qui est allé. Première intention pour frapper. Alpha qui va être court. Attention quand même à pas trop se jeter. En dernier joueur, Radozin, l'accélération dans l'axe pour aller servir ce ballon à ses coéquipiers. Pour le moment, le ballon qui va rester dans le corner bleu avec Smokes qui tente de repartir. Mais voilà la belle intervention de Zen. Il a l'avantage ici. Zen qui va aller chercher les démolitions. C'est bien fait au premier poteau. Et Alpha 54 qui vient incisif toucher ce ballon et l'amener le long du poteau pour l'égalisation. Quelle frappe d'Alpha 54, regardez.
Il n'y a quasiment pas d'espace entre le poteau et le défenseur. Et pourtant, il va le trouver cet espace. Un partout. Excellent, la team. Et les travaux de Zen qui sont brillants, comme d'habitude. Alpha qui cherche à renverser le jeu. Zen qui sera premier ici. Ce ballon qui est contré, pinché, mais qui va fuir le cadre. Radosin, largement premier. Malheureusement pour lui, derrière, il ne peut pas continuer, poursuivre son effort. Et là, on a du temps. On a de l'espace, on va essayer d'en profiter. Voilà, Smokes qui a voulu toucher la balle, mais en fait, il a oublié face à qui il est. Ah, il est trop fort. Il joue contre ses petits refs. Non, c'est trop grave. Le problème, c'est qu'il est tellement fort qu'on est à la limite de l'insulte permanente envers les adversaires. C'est une folie. Hein. C'est une folie, les amis, et ça nous permet de repasser devant au tableau des scores. Ouais, les 2700 points d'AMMR de la dernière saison qui sont toujours là, les amis, apparemment. Alpha, première touche de balle excellente. Il vient chercher le 50-50, peut-être pour Radosin derrière qui ne se jette pas. Radosin qui est toujours excellent hein, dans ce rôle de troisième joueur aussi. Qui a cette science du timing, du positionnement. Alpha, ça, bref. Qui a poussé ses coéquipiers pour récupérer la balle. Allez, attention quand même le turn de Mitaël ici. Radosin qui vient bien bloquer ce ballon. Zen qui la remet juste en dessous. Radosin, ouh, il est parti chercher la démo, vous l'avez vu. Comme un chien enragé. Il ne l'a pas trouvé. Alpha, 42 boost. Et voilà, ils arrivent à rebloquer un petit peu nos tentatives de construction dans le milieu de terrain. Même si là, ce ballon en cloche, il aurait pu les surprendre. Mais peu importe, on est toujours devant au tableau des scores, au tableau d'affichage. Alors qu'il reste 1 minute 35 à jouer. Attention au bum, Zen qui a réussi à dodge la démo, à repartir vers l'avant. Il n'aura plus ce ballon derrière, il doit compter sur Alpha 54 qui vient le suppléer. Mais c'est une balle qui est dangereuse avec Biden qui va partir dans l'axe. Attention, le flip reset qui pourrait être récupéré face à Radosin. Il faut absolument tenir sur la ligne. Le retour de Zen. Et c'est peut-être pas fini pour les endpoints. Si, très bon 50-50. Zen qui peut repartir, le plan B, il va le tenter. Non, finalement, il s'efface au profit d'Alpha 54. La frappe sur la barre transversale. Est-ce qu'on aura un troisième joueur? Non, c'est Arju qui va reconstruire avec ses coéquipiers. Radosin bumpé, Zen qui prend le 50. Attention à cette balle, voilà, c'est bien fait. Il faut garder le contrôle du ballon. 58 secondes. Arju, Zen qui avait déjà tout vu, qui va intercepter, mais Mitaen est peut-être premier. Non, l'intervention décisive de Radosin dans le milieu de terrain. Alpha qui s'envole, qui va largement passer son vis-à-vis, prendre le boost, esquiver la démo, libérer de l'espace pour Zen. Radosin le fake, Radosin qui retourne. Aïe aïe aïe, Arju qui avait été bump hein, et qui pourtant a réussi à revenir sur ce ballon. Excellente défense de la part des endpoints, il faut le souligner quand même. Radosin, attention à ce contre dans l'axe. 28 secondes restantes, on bump Arju. Mais il y aura peut-être encore une tentative du côté des endpoints. Zen, il faut absolument gagner 50-50. Ouais, Mitaen qui a mis toute sa puissance, ce ballon qui va revenir en retrait. Radosin, attention, c'est un petit peu la panique dans la défense. Et maintenant, l'objectif est de contrôler, conserver ce ballon. Zen qui va prendre le boost adverse. Non, malheureusement, il ne l'a pas eu, mais il se tourne tout de suite. La frappe sur le backboard. Est-ce que c'est suivi? Il y a de l'espace dans le mid. Arju, il aura le dernier frisson au bout de son capot. Peut-être pas. C'est Mitaen qui va tenter sa chance. Pour le moment, c'est un peu la panique. Radosin qui se fait surprendre. Smokes qui lève cette balle. Allez, les garçons, il faut la plaquer. Zen qui fait le travail. Le ballon touche sol et ça fait 2-0. 3 balles de match pour aller chercher la première victoire de la journée. Il faut pas douter, il faut commencer la journée sur un 3-0 pour la confiance, pour tout ce que ça engendre, pour aussi bah, tout simplement ne pas douter, mais je l'ai déjà dit, mais même si effectivement la défaite dans ce format ronde suisse, elle est moins grave que dans d'autres formats. Tu peux passer en 3-1, tu peux passer en 3-2. Le fait de passer en 3-0, il y a l'importance du seeding aussi après pour les quarts de finale, il faut pas l'oublier. La dernière fois, si par exemple on a joué la Carmine d'entrée de jeu et que c'est un match qui est compliqué dès les quarts de finale, c'est parce qu'on a eu du mal à se qualifier dans la ronde suisse, qu'on a fini dernier seed. Donc c'est très important aussi d'aller chercher le 3-0, pas juste de passer en quart de finale en top 8, mais de passer avec la manière. Oui, le score, je vous le mets les amis. C'est bon, il est rajouté. Le score chef, ça va les frérots. Vous voulez que je vous mette un uppercut? Non? Alors calmez-vous. Alpha qui va partir dans les airs. Alpha encore le flip reset peut-être pour aller servir ce ballon pour Radosin qui tente sa chance. Oh, l'angle était extrêmement fermé. Mais ça a failli passer. Mitaen dans les airs. Zen qui bloque cette balle. Mais malheureusement, c'est quand même les endpoints qui vont avoir encore le contrôle du ballon. Radosin s'est bien fait en deux temps à l'aide de son flic qui va pouvoir repousser cette balle. Mitaen qui retourne tout de suite, mettre de la pression. Attention au bump. En plus de ça, il a retouché la balle de manière un petit peu bizarre. Il faudrait réussir à sortir ce ballon parce que là, c'est une phase de pression qui est instaurée par les endpoints.
Warju, il a fait une passe en retrait, mais tellement en retrait, mon frérot, il est parti en défense presque, son coéquipier. Warju, qui va se tourner. Il essaie de repartir directement dans l'axe. On subit pour le moment, il y a eu des démolitions. Allez, Radosin, voilà, c'est très très bien fait. Avec Alpha pour envoyer loin devant. Mitaine qui va être forcé de décoller, de jouer cette balle en deux temps sur son backboard. Il va la laisser à son coéquipier. Zen, oui, le bump face à Mitaine. Malheureusement, c'est dégagé. Mais en tout cas, voilà, ça y est, on a réussi à amener cette balle dans le camp adverse. Et là, peut-être l'occasion de faire mal avec Radosin qui tente de passer en dessous. C'est bien fait. Il a passé un premier joueur, Radosin, qui se fait bloquer. Mais peut-être la possibilité de mettre une phase de pression maintenant, nous aussi, d'instaurer une phase de siège dans le camp adverse. Très bon 50-50 de la part de Zen. Il est allé chercher le bump avec Alpha qui va tenter la double top reset. Et c'est arrêté en squishy save par Arjo, hein, qui fait une save exceptionnelle sur sa ligne. Mais voilà, le premier danger de notre équipe dans ce match. Vous le voyez, le endpoint, ok, ils perdent 2-0, mais ils sont toujours motivés, hein. Ils jouent même mieux que tout à l'heure. Donc ce match est loin d'être fini, les amis. En tout cas, c'est pas une victoire qui nous est donnée en 3-0 facile. Il va falloir aller le chercher, ce troisième point. Smokez qui renvoie complètement de l'autre côté. Arju, le long du mur, il a pas beaucoup de ressources. Ça, je sais pas si on a l'information. Zen qui va accélérer. Radosin, pourquoi pas, qui est passé à côté de cette balle. Et attention Alpha, parce qu'il est en position de dernier joueur. Oh là 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 là, on a de la réussite les amis. Heureusement, personne n'était là pour venir couper la trajectoire de ce ballon au second poteau. Radosin qui veut repousser, mais on a beaucoup de mal. On est complètement acculé dans la défense. Celle de 50-50, il est bon, mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On ne peut donc pas se projeter sur cette balle. Radosin, lui, il a récupéré du boost. Alpha qui esquive la démo et qui va essayer de repartir avec un très bon flick, qui a réussi à battre deux joueurs. Le bump, il est allé le chercher. Malheureusement, la voiture de Smokez qui est en béton armé, hein, qui n'a pas bougé. Monsieur joue avec un tank, excusez-nous. 1 minute 46 et on n'a pas beaucoup vu notre équipe à l'attaque. Attention Arju, il y va tout seul. Radosin, oh là là, qui a pas eu peur de se faire contrer ici. Et Zen peut-être pour nous libérer. Il a pas beaucoup de boost, il a tenté le pré-flip dans les airs, mais malheureusement cette balle elle n'ira pas plus loin. Radosin qui enchaîne les duels. Oh Arju, il est pas bien. Second poteau, il faut couper. Malheureusement ce ballon il sera un petit peu trop long. Alpha 54 en deux temps face à Mitaine. Cette balle est toujours intéressante à jouer, elle va retomber dans le milieu de terrain, mais finalement ça va renvoyer. Et Zen, il a de la ressource. Est-ce qu'il arrive à passer un premier joueur? Non, c'est bien anticipé de la part de Smokez. Radosin qui dégage le long du mur. Zen qui ne va pas y aller, qui va fake pour son coéquipier. Radosin, finalement c'est Alpha qui va replonger dans l'axe. Et là il va falloir essayer de conserver un petit peu le ballon. Zen, la touche de balle était intéressante, il se fait bloquer, c'est Radosin qui va y aller. Ça a fake un petit peu tout le monde. Smokez qui ne tente pas sa chance. Il y a eu un bump, Alpha qui ne pourra pas accélérer. Il reste dans le corner, on n'a pas eu leur boost. Et malheureusement ce ballon qui va repartir dans notre terrain. Pas pour longtemps, Zen. La lecture, le fail, la démo. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette balle elle est quasiment encadrée. On se jette sur la ligne côté endpoint. Mais malheureusement, de ce petit cafouillage, on n'arrive pas à aller chercher l'ouverture du score. Allez Zen, le 50-50, 0 de boost. Mais un très bon bloc ici pour maintenir cette balle dans le camp adverse. Oh, attention, petit moment de flottement. La balle qui rentre. Eh oui, il a réussi papy. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de jouer, on va le revoir, voilà. Oh le kebab. Oh le vilain kebab de Smokez est derrière, du coup c'est la panique. Oh, il m'a fait un kebab, on aurait dit moi tout à l'heure sur Kebab Chief Simulator. Bien Géchard Chef avec la sauce blanche, hein. 30 secondes restantes les amis, allez attention au kick-off quand même. On sait que c'est pas forcément notre point fort sur CRLCS. On a réussi pour le moment à pas en prendre de but. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de Zen qui va très légèrement toucher cette balle, mais heureusement, parce que ça permet à notre équipe de grappiller un petit peu de temps. Les démolitions qui s'enchaînent. Smokez qui peut pas faire grand chose, heureusement. Bah, Mitaine, ça va mon ref? Oh, oh il est, regardez, il va d'un bout à l'autre du terrain pour chercher les démos. Il faut absolument défendre. Oh, c'est pas possible. Oh, Mitaine. Oh, le gars, il prenait les lieux de respawn. Mais c'est un malade, lui. Il est fou. Bon, et le bel angle. Les amis, malheureusement, égalisation des endpoints à 3 secondes de la fin. On n'aura pas le droit à ce 3-0 tout de suite. Il va falloir aller le chercher ou peut-être pas. Avec Alpha qui va tenter de passer juste en dessous. Cette balle touche le sol. Overtime. L'enjeu est simple. Soit d'aller signer la première victoire du jour, 3-0. Ou soit
Et bien de continuer cette série pour essayer d'aller gagner 3-1. Zen qui va y aller tout seul, la touche de balle. Il va pas aller prendre le reset, il a voulu accélérer, mettre de la vitesse. Alpha qui se positionne, c'est très bien fait. Cette balle, elle est dangereuse. Alpha, il veut chercher les démolitions. Et je crois qu'il en a obtenu, mais bon, de toute façon, ça manquait un petit peu de pression derrière. Mitten qui repart dans l'axe. Zen qui va juste bloquer. Regardez, ça libère beaucoup d'espace pour Alpha. C'est très très bien joué. Alpha encore face à Smokez. Il est bloqué, Smokez, mais il va pouvoir recover sur cette balle. Attention, un peu de réussite là du côté des Endpoint. Et Arjou qui est tout seul. Allez démolir. Va le chasser. Va le chasser. Alpha 54 en retrait pour Adosa. La passe et la frappe. Et c'est but. Et ça fait 3-0. La victoire. Quel team play. Regardez Alpha qui va fixer jusqu'au dernier moment. La passe, elle est millimétrée. Le tir de Radoza à contre-pied. La défense ne peut rien faire. 3-0, les amis, oui. Faites-moi du bruit pour nos joueurs, tout de suite dans le chat, les amis. La Team Vitality qui va jouer pour aller chercher sa seconde victoire face à la Team 3. Allez, let's go! Je vois les Vita dans le chat, je vois les Vita, let's go! Vitality! My dream si on avait eu un but sur le drop, les amis. Allez, Alpha qui va pousser cette balle sur le côté. Attendez, je crois que j'ai encore un match derrière. Je crois que j'ai encore le stream en fond. Attendez une seconde, les amis. Je suis obligé juste de ressortir. Ouais, attendez, j'ai le stream en fond. Excusez-moi. Je fais juste ça, pam pam. Personne n'a rien raté. Vous inquiétez pas, le petit freeze, il est normal, c'est le retour Windows. Hop, vous avez rien raté. Voilà, 0 à 0. Il y a quoi maintenant? Qu'un problème, c'est dans ce chat. Allez, Mark Bayes sur le mur qui va essayer de renvoyer cette balle de l'autre côté. Catalyzum qui est bloqué par Alpha 54. Zen le contrôle. Il va essayer de repartir, de replonger dans l'axe. Il va pousser cette balle, c'est bien fait pour Ados à la frappe. Et l'ouverture du score. Voilà les gars. Je reviens, il y a but. Vous allez pas m'emboucaner. Quelle passe de Zen du bout du pare-choc et la frappe de Radoza, le missile à bout portant pour l'ouverture du score 1-0. Voilà ce qu'on veut, papy. Allez, le nouvel engagement. On fait attention, bien évidemment. Je crois que Zen a eu le boost, me semble-t-il. Pour le moment, en tout cas, c'est Alpha qui envoie cette balle sur le côté. Pour Zen, la lecture à double tap parce qu'il peut aller déjà chercher ce ballon qui est intéressant. Peut-être pour Radoza qui va tenter sa chance. La transversale, malheureusement, cette fois-ci sortante. Avec Ryzex en plus qui était positionné. C'est Ryzex d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'appelle Ryzex. J'ai toujours dit Ryzex, j'ai voulu jouer l'américain, les amis. Je sais même pas officiellement Ryzex, s'il préfère qu'on dise Ryzex ou Ryzex. Moi je l'ai toujours appelé Ryzex personnellement. Allez, Ryzex. Zen qui va se tourner. Zen qui prend un premier bloc, qui vient chercher le bum derrière. Attention, le pinch. C'est peu conventionnel ici. Radozin qui temporise. Derrière, ça va profiter à notre Zenito National qui prend un premier flip reset. Il a battu un joueur. Radozin qui va chercher le bum sur Mark Bayade. Mais il y avait un bon retour défensif. La balle qui est drop dans le milieu de terrain. Il faut absolument défendre sur le backboard. C'est Zen qui va s'en charger. Ryzex qui remet sur le backboard. Le clear de Radozin. En plus de ça, on écarte sur Zen qui malheureusement ne va pas pouvoir toucher cette balle. Mais c'est Alpha qui va essayer d'accélérer dans le corner. Est-ce qu'il peut aller chercher la lecture? Alpha peut-être pour remettre ce ballon dans l'axe. Radozin qui ne va pas se tourner. Et attention à Catalyzum qui veut s'échapper le long du mur. Il n'a pas de ressources pour le moment. C'est Mark Bayet qui a fait des différences, qui vient chercher son coéquipier. Et la très bonne parade, le bon retour de la part d'Alpha. Mais attention, ce ballon qui continue de traîner un petit peu dans notre camp. Radozin, loin devant, la frappe. Catalyzum qui aura le temps de revenir, de contrôler cette balle sur la ligne. Ça repart avec Ryzex, il vient chercher la démolition. Alpha qui va rester solide. Le turn de Zen et attention à ce ballon qui pourrait être dangereux. Pour le moment, pas de véritable danger. Peut-être ici, Mark Bayet qui cherche la passe axiale. Mais dans la défense, on y est. Vous l'avez vu, on a toujours un joueur qui traîne dans ce milieu de terrain pour venir bloquer les ballons. Ouf. Merci Alpha, hein, parce que là, Radozin, mon frérot, l'a dit. Hey, Mark Bayet, Mark Bayocho, quiere el ballon? La pelota. Il lui a donné carrément, mon frérot. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il joue avec l'Espagnol, ce fou. Allez, Catalyzum
qui s'est fait bumper. C'est Zen qui va pouvoir récupérer. Est-ce qu'il peut accélérer toujours? En tout cas, il maintient la pression dans le camp adverse. Alpha qui se jette. 62 boosts. Il peut peut-être y aller tout seul. Alpha le tire. Et la parade de Catalyzm. Zen qui contrôle cette balle. Qui a encore de la ressource. Qui a pris un premier flip reset. Qui va essayer de temporiser. Derrière, il a 0 de boost. Mais regardez, il a mis la défense en difficulté. Oh, lui tout seul, les 3 joueurs. Tellement le respect. En plus de ça, derrière, il va chercher le bump. Et c'est open pour Alpha 54. Ça fait 2 à 0, les amis. Quel travail, une fois de plus. Quel travail. Excellent, la team. 2 à 0. Très belle entrée en matière. Dans ce second match de la journée face à Team 3. Allez, Zen, dans les airs, montre-lui un petit peu qu'est-ce que ça veut dire 2700 points de... Pardon, j'ai pas contrôlé, y'a que ce cri qui est sorti de ma bouche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez Mark Byate! Il était là en mode, je vais contrôler la team! Partez devant, je vais contrôler... Golasso! Les amis, exceptionnels, il est sorti de nulle part. Attention quand même à cette frappe. Il est sorti de nulle part, les frérots. Et il a mis ce but tout seul. Il est injouable. Et en plus, le pire, c'est que les deux coéquipiers qui sont derrière, Alpha et Radoza, ils sont injouables. On est injouables, la team. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Attention à ce ballon qui drop dans l'axe. Radoza qui a dit à Zen, calme-toi, frérot, parce que sinon, après, il va avoir une enquête tellement t'es fort. Il lui a subtilisé la balle. Il lui a dit, tu sais quoi, tu es privé de ballon. C'est terminé. Tu rejoueras avec la balle en quart de finale. Attention quand même. La réponse de la team 3. Avec Rizex ici qui est allé trouver l'angle. Ouais, les kick-offs sont bizarres. Hein. Non mais les kick-offs les amis, toujours bizarre. Toujours bizarre. Allez. C'est reparti pour l'engagement. Johnny Boy est sur mon stream. Hey, Johnny Boy, my God. I love you, man. You know. Allez, c'est parti. Mark Byate qui va écarter ce ballon sur le côté. Rizex qui enchaîne. Est-ce qu'il faut le bloquer? Absolument. Il ne faut pas les laisser revenir à 3-2, les amis. Ne pas douter. Alpha 54 sur le côté. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il va essayer d'accélérer. Ah, il a pris le boost adverse assez bien pour maintenir ce ballon dans le camp adverse. C'est l'objectif maintenant puisqu'on a 2 buts d'avance. 4 secondes restantes. Cette balle qui est dégagée. Loin devant. Et c'est fait, les amis. Nous allons inscrire le premier point dans ce numéro 5. Faites du bruit dans le chat. Attention hein, quand même. Il faut le dire, les amis. De l'expérience. Hein. Rizex, Mark Byate, Catalyzm. Ça joue très fort. Mark Byate, pour ceux qui savent pas, grande époque de la team BDS. Hein. L'époque où la team BDS elle est injouable en Europe. Mark Byate et ses petites frisouilles, y étaient pour quelque chose, les amis. Donc ça joue en face. Il faut faire très attention. Alpha, qui a donné une balle à Rizex. Il a dit, frérot, tu veux... Non, parce qu'en fait, tu me fais un peu... Non, mais les gars, parce que tout à l'heure, vous avez essayé de marquer, je vois que ça marche pas. Le ballon, tu le veux? Do you want the ball? Voilà, tranquille. Pas de soucis, vrai frère, toujours dans la générosité, toujours dans le partage, Yanis. On peut mettre du hashtag vrai frère dans le chat, bien évidemment. Non, c'est vraiment un humain exceptionnel. 1-0 pour la team 3 sur une générosité de notre très cher Alpha. Allez, attention, Zen qui va se retrouver tout seul. Il arrive à temporiser. La passe en retrait, c'est bien fait. Alpha qui est généreux en faveur de Radoza. Cette fois-ci, on préfère. Oh, Radoza qui nous fait la spéciale Zen ici. Qui veut aller chercher la démolition hein, face à Catalyzm. Mais il aura juste réussi à faire de la capoeira autour de lui. Zen, il a pris le flip reset. Il va essayer d'accélérer. C'est bien fait. Oh, Rizex qui se fait battre. Derrière, c'est suivi par Radoza. La double time. My dream, ça rend my dream. Oh, et malheureusement, c'est arrêté sur la ligne. Mais les amis, ça joue. Hein. Les connexions qui s'enchaînent. On reprend tout de suite. Le contrôle du ballon, même si ça reste dans notre camp quand même sur cette action. Alpha qui part dans les airs. Ouais, Radozin, il y a peut-être quelque chose à faire. Il a pas mal d'espace, me semble-t-il. Personne qui est venu le challenge. Eh, mais c'est Radozin, frère. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Ça y est, le gars, il est bloqué dans un move. Il veut faire que des pinches au plafond. Oh oui, Zen. Allez, le 1v1 face à Mark Byate. Montre-lui le 2v2, peut-être avec. Enfin, le 2v1 avec Rizex qui était en train de revenir. Alpha! Oh là là! Oh, le team play! Uni comme les doigts de la main, les amis, regardez! Zen qui temporise, qui passe un joueur, deux joueurs, et Alpha qui se jette sur Rizex. Il a hurlé chez lui, Alpha. Ah, il se bavait dessus, les amis, pour aller chercher cette démolition. Ça fait un partout. Zen qui, bien évidemment, va chercher l'angle, la lecture. Et ça fait un partout. Attention, kick-off. Alpha, tout de suite?
Ok, malheureusement, ça ne trouvera pas le cadre. Il y a une démolition. Hein. Mark Byett, il est tout seul ici. Zen. Un setup de rêve, beaucoup d'espace, même si c'est quand même pas évident en fait. Hein. Cette balle, elle était quand même restée assez proche du mur. Oh, attention, il y a une démolition. Radosin qui ne se jette pas. Oh, ça va être dur quand même. Ah, ça va être très très dur. Il y a une démo, les amis, qui nous a fait du mal. On va le revoir sur les images. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est. Oh, attends, c'est Zen qui va démolir et c'est lui qui explose. Osayolix! Osayolix! Oh, décroche-le le téléphone, je vais te dire quelque chose. Ok les amis, fait de jeu. Non, pas le kick-off, parce que là si on a le fait de jeu, le kick-off et la passe du vrai frère Yanis, c'est trop. Allez, Radosin. Zen, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il est bien parti pour le flip reset, le 50 face à Mark Byett qui a bien défendu sur sa ligne. Alpha qui replonge dans l'axe, il y va tout seul. Cette balle qui était cadrée, belle intervention défensive de la part de Catalyzum. Attention, contre favorable, on est en place derrière. Le jeu en triangle, la frappe d'Alpha 54. On va en plus de ça récupérer le boost ici. Et Zen qui vient bloquer instantanément. Malheureusement, ça manquera un petit peu de présence orange à la retombée de ce ballon. Mark Byett qui remet dans l'axe. Sans problème pour le moment pour Alpha. Zen qui se... Oh, le fake, le bum juste derrière, le follow, aïe aïe aïe, la parade à l'aide de la barre transversale. On lui a mis un fake de 15 mètres, frérot. Sans déconner, quoi. S'il y avait du brouillard, il l'aurait même pas vu. Ah, je te jure, sans déconner, il lui a mis le fake à 5 mètres de distance. Une dinguerie, mon frérot. Allez, bref, parce qu'on est toujours derrière, les amis, au tableau des scores, même si on montre des choses intéressantes. Radosin qui va... se permettre de repartir dans le corner, d'aller chercher le bloc. Il y a des démolitions qui sont tentées sur la ligne. Zen qui se jette, c'est un petit peu la panique. Il y a eu un double commit. Radosin. Alpha qui va pouvoir clear cette balle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit moment de flottement. La démolition de Radosin qui est intéressante. Zen qui peut peut-être en profiter. Oh, il avait essayé de remettre ce ballon dans l'axe. Malheureusement pour lui... Malheureusement pour nous, ça ne passe pas. Il y avait encore un joueur qui pouvait très légèrement bloquer ce ballon. Allez, 1 minute 30, le match qui s'est un petit peu calmé. Mais il va falloir trouver la faille pour revenir à égalité dans un premier temps et puis aller chercher la victoire. Radosin peut-être la passe en retrait. Rizex qui se jette tout de suite. Zen qui va envoyer sur le backboard, c'est très puissant. Catalyzum qui a réussi à toucher cette balle. La frappe de Zen s'est bloquée. Allez, ils sont sous pression, c'est maintenant qu'il faut continuer. Mark Byett qui a réussi à subtiliser ce ballon. Alpha 54, Catalyzum qui nous rend la balle. Est-ce que ça va nous être profitable? Pas pour le moment véritablement puisque on a été bloqué. Allez Zen, 100 de boost. My Dream, c'est maintenant, fais-nous rêver. Radosin qui cherche la démo, hein, toujours très agressif. La passe en retrait d'Alpha avec Zen, malheureusement c'est bloqué. Et ça y est, on est rentré dans cette dernière minute de jeu. Radosin qui va partir dans les airs, qui peut aller chercher le flip reset. En tout cas, il va essayer de passer Mark Byett. Pour le moment, c'est bloqué ce ballon qui va revenir légèrement en retrait. Rizex qui veut dégager cette balle et on arrive à la maintenir dans le camp adverse. Zen, l'accélération dans le corner, l'angle impossible. La passe peut-être, oh, ce ballon qui est passé juste derrière lui. Radosin qui va tenter sa chance, c'est une passe, mais vous l'avez vu. Alpha s'est fait démolir malheureusement et donc on ne peut pas maintenir cette phase de siège et on est déjà dans les 30 dernières secondes de jeu. Alpha tout seul dans l'axe, la conduite de balle, le 50-50 qui va revenir sur Zen, le premier contrôle est bon, le bump juste derrière, Radosin qui se jette et Zen qui va tenter de maintenir cette balle dans le camp adverse, dans la zone de danger de la team 3. Rizex pour Alpha, ouais, qui va se faire malheureusement gêner par Mark Byett. Rizex qui veut renvoyer ce ballon complètement de l'autre côté du terrain. Forcément leur objectif maintenant c'est de gagner du temps. Zen qui ne peut pas s'échapper. Allez, excellent travail. Oh, c'est quoi qui fait du rugby lui ou... Pas possible. Allez, attention, c'est maintenant Zen, fais-nous rêver. Ce ballon qui n'a plus le droit de toucher le sol. Zen qui va tenter d'y aller. Cette balle qui revient en retrait pour Radosin, c'est un petit peu loin. Égalisation. Allez, c'est reparti un partout. C'est pas grave, ça arrive. On vous le rappelle quand même hein, pour ceux qui arrivent qui disent excusez-moi, comment Vitality perd contre Team 3? Les amis, c'est le top 16 européen. On va arrêter les cadeaux par contre. Les cadeaux, c'est les périodes des fêtes, c'est Noël. À ce que je sache, on est en mars. Ça fait un petit moment qu'il est rentré chez lui, le Père Noël. On se reconcentre. 4 minutes 50, il vaut mieux faire le cadeau maintenant. Hashtag vrai frère dans le chat, vous pouvez y aller. Bien évidemment, je vois que certains... sont en train de réutiliser cet hashtag. Qu'est-ce que vous voulez? En plus d'être trois cracks de Rocket League, c'est trois humains extraordinaires. Allez, Alpha pour le fake, peut-être pour Radosin derrière qui ne va pas vouloir se jeter. Radosin dans les airs. La touche de balle est excellente. Et là, c'est Zen face à Rizex. La frappe du rec. Oh, Rizex, il a fait... Oh, une étoile filante.
Oh, il a regardé Rizex, hein. Il a vu un truc, puis un autre truc, et puis d'un coup, il a dit, oh les gars, pourquoi il y a un kick-off là, je comprends pas. Allez, un partout. On revient, les amis, on ne se laisse pas douter comme tout à l'heure. On égalise très rapidement. Et quel travail de Radosin, il faut le dire. Quel travail de Radosin. Le très bon 50, un peu pinché de la part d'Alpha 54, ça repart de l'autre côté du terrain. Mark Bayet, le jeu en triangle dans les airs. Attention, Catalyse a mis les premiers, il s'est fait un très bon setup. C'est Alpha qui va se jeter sur cette balle, qui va la toucher en 2 temps, en 3 temps, en 4 temps avec le ground pinch. Alpha qui repart complètement de l'autre côté du terrain. Rizex qui va se faire démolir. Ouais, allô Thomas ? Thomas Pescal, appareil. Ouais, c'est bon, tu l'as réceptionné, Rizex ? Ouais, tu peux le garder. Bah, il est très sympa, mais tu vas voir, tu vas passer. Ouais, tu vas te régaler avec lui. Allez, la bise, Thomas, merci à toi. Excusez-moi, c'était Thomas Pesquet. Allez, Mark Bayet sur le côté du terrain. Alpha, est-ce qu'il peut faire la différence ici, dans les airs ? Il va chercher le bump. Malheureusement pour nous, ça ne libère pas de solution juste derrière. Zen dans les airs. Un premier flip reset pour accélérer, pourquoi pas derrière. Finalement, c'est Alpha qui va récupérer ce ballon. Et la bonne charge ici de Mark Bayet. Oh, c'est bien fait. Zen qui va céder du mur. Il a été gêné, mais peut-être enchaîner. Non. Malheureusement pour lui, il y avait quand même 3 joueurs hein, pour venir l'embêter. En tout cas, ce ballon qui traîne dans le camp bleu. Et regardez, hein, ça commence un petit peu à paniquer par moment. Même si là, ils ont pu sortir cette balle proprement. Très bon retour de Radosin. La démolition, Catalyse qui replonge dans l'axe, intervention de Zen qui a toujours le contrôle de cette balle dans les airs, qui va se positionner, se confronter à Mark Bayet. Ça revient sur Alpha, la frappe directe, attention à la double tap, peut-être Catalyse qui ne va pas se rater et qui va en plus de ça essayer de dégager. Mais Radosin qui ne lâche rien, malgré tout c'est un ballon qui va revenir dans notre camp, pas pour longtemps. L'accélération de Zen le long du mur, Radosin qui a de l'espace, qu'est-ce qu'il va faire? Il y va tout seul, il y a un retour défensif, mais cette balle elle était passée, ça avait surpris la défense. Attention, c'est un petit peu la panique du côté de la team 3, et là il y a peut-être un espace. Oh non, il faut pas prendre le but là-dessus. Faut pas prendre dessus. Voilà. Exactement, mon Radosin. Jette-toi sur ce ballon parce que c'est dommage de se faire punir d'une phase de pression sur un open comme ça. Ça aurait pu nous faire mal, mais heureusement, Radosin, bah, qui court très vite. Vous l'avez vu. Mark Bayet, le contrôle. Il a réussi à faire passer cette balle, mais lui, il a été bumpé. Zen, qui pour le moment reste au sol, laisse cette balle très intelligemment à Alpha 54, qui se dirige dans le corner, qui veut chercher une démolition, il ne la trouve pas. Radosin, vous l'avez vu, il a pris le boost adverse, qui va lui permettre de suivre très certainement juste après. Pour le moment, il n'y va pas parce qu'il y avait 2 joueurs qui s'étaient jetés. Le voilà, le Radosin, la touche dans le corner, la passe en retrait peut-être, le bum qui est cherché, qui n'est pas trouvé. On a la possession du ballon, on le voit depuis tout à l'heure, mais on n'arrive plus à être véritablement dangereux pour le moment. On n'inquiète pas cette équipe de la team 3, qui est en place dans sa défense. Mais en tout cas, c'est nous qui avons la position du ballon. On préfère ça quand même. Radosin qui veut s'infiltrer le long du terrain. Cette balle qui va retomber dangereusement. Il faut absolument la clear. C'est fait de la part de Zen. Le rebond peut être intéressant. Ça revient dans l'axe. Et qui est le plus rapide? C'est Zen. Qui est le plus rapide? C'est Zen. Oui, monsieur. Regardez la vitesse d'exécution qu'elle passe de Radosin. Et la Catalyse, il a même pas le temps de se tourner. Que Zen est déjà là pour aller chercher le but de 1. Ah non, pas Season. Season, les amis. Attention, on parle pas du même joueur. Même si Season est un très bon joueur et rapide aussi, mais. Parlez de Zen. Ouh! Il est trop fort! Quel save sur la ligne de la part de Zen! Pour voilà, ne pas subir des ce kick-off. Encore un kick-off goal, on n'en peut plus! Encore un kick-off goal! Enfin, c'est pas un goal, mais t'as compris, presque un kick-off goal. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est cette action de dégénérer là, de Rocket League? Qu'est-ce que c'est cette action de Potato League? Attention, Radosin, super la parade! Allez, Zen, on reprend un petit peu le contrôle parce que. Oh le fake! Ah non, il est injouable, je veux dire, il est terrifiant. Même moi, j'ai peur d'être fake derrière mon écran alors que je suis en observateur, c'est une folie. La passe en retrait, c'est bien fait avec Radosin, la frappe peut-être! À contre-pied, pleine lucarne! Radosinho! Oui, monsieur! Ah non, c'est trop beau! Non, regardez la connexion, la touche, elle est parfaite. Radosin, il leur dit, je vais tirer où la team? À gauche, à droite? Il tire à gauche, pleine lucarne, excellent. 3-1, le but du break est instauré alors qu'il reste 49 secondes. Attention au kick-off goal, on sait que c'est notre bête noire, notre point faible. Pour le moment, c'est bon. Radosin. Accélération, 0 de boost. Attention, il y a une démolition. S'il y a un pinch de Catalyse, ça peut être dangereux, surtout qu'il est en retrait. Mark Bayet, ou la frappe, il a presque trouvé l'angle, attention! Pour le moment, c'est sur la crossbar.
La crossbar qui est avec nous. La crossbar qui est avec nous, les amis. Qui joue en notre faveur. Alpha, c'est très bien fait. Le bon travail. Qui donne tout. Qui mouille le maillot. Et en plus de ça, on va aller chercher l'open. Let's go, deuxième point. Excellent. Ah, Zen qui fait une game, j'ai peur d'ouvrir le scoreboard. Vraiment, on a trois joueurs qui sont exceptionnels sur le terrain. Bon, il y a eu cette petite game droppée juste avant, ça arrive. Deux balles de match pour se retrouver en deux victoires et zéro défaite, les amis. C'est reparti. 5 minutes de temps réglementaire pour aller chercher la victoire. Ouf, Alpha qui s'est pris une prise de catch. Mark Vaillate, le dégagement. Loin devant. Alpha 54 qui essaie de renvoyer. Radozin qui est pas très bien sur sa ligne. Zen l'a vu, donc il s'est permis d'intervenir. Le wall clear de la part d'Alpha. Il est suivi par Radozin qui continue en plus d'aller enchaîner les 50-50. Le flip reset de la part d'Alpha. Qu'est-ce qu'il est fort! Il était complètement à l'envers! Et pourtant, il a réussi à prendre son flip reset! Les travaux de Radozin encore excellents! Et là, regardez! Pour passer de l'autre côté, ouverture du score! Oh, ya ya, et le pouletto, papy! Excellent! Même Patoche, je t'ai vu sourire encore dans le retour. Mais fais gaffe, c'est la dernière fois que t'as souri après un kick-off goal. Donc ce sourire, tu me l'effaces ou je te l'efface? Excusez-moi. 1-0. 30 secondes de jeu à peine. Le match est encore très long. Mais en tout cas, on démarre sur une belle première action de la part d'Alpha qui a mené au but. Rizex qui a effacé un joueur. Normalement, il reste encore du monde derrière. Pas de soucis. Zen qui a du temps ici. Il passe un premier joueur. Le flip reset. Et la... Et Radozin qui suit. Mais cette équipe. Mais il est là, le Vitality World Champion. Ça connecte, ça suit. Mark Vaillate, il peut rien faire sur sa ligne, il est obligé de subir. Ah, excellent. Non, quand les trois joueurs sont en connexion, en symbiose, comme ça sur le terrain, c'est une folie. Allez, la démolition. Alpha qui va tenter d'accélérer. La passe peut-être pour Radozin. Flip reset, un peu bizarre pour le moment. Mais en tout cas, c'est pas grave, on garde la possession du ballon. Zen qui a gagné le duel face à deux joueurs. Est-ce qu'il peut aller chercher la lecture, Zen? Oh, c'est pas grave. Oh là là, mamma mia, arrêtez tout. Arrêtez tout. Allez, c'est bon. Oh, s'il la met, celle-là. Oh, il fait une passe exceptionnelle, hein, mais... Oh là là, la passe est folle, hein, quand même. Et Radozin, en plus, Radozin, il le trust. Il sait que ce zinzin de l'espace, il est capable de la mettre. Ou qu'il va là, ça va être quasiment but et qu'il faut la follow. Bon, là, c'est excellent. Quelle entame de match. On va bien évidemment rester concentré parce que il reste 3 minutes 40 et sur Rocket League, c'est beaucoup de temps. On en a vu des comebacks. Il faut pas non plus commencer à dire « Allez, c'est bon, la Team 3, à toutes, à plus !» Non, non. C'est des joueurs professionnels en face, les amis, qui ont de l'expérience, comme je vous le disais tout à l'heure. Oh là là, Zen. Quand tu crois que tu l'as passé, ben tu l'as pas passé. En fait, il est toujours là. Il t'attrape le slibar, il te tire, frérot. Tu vois ces joueurs-là qui ils te font un tirage de maillot, ton maillot, il touche ton crampon? C'est Zen. Il te tire le slip avec. C'est une folie. Tu peux pas le passer. Même la balle, il la rattrape. C'est une folie. Allez, Zen, le revoilà à l'œuvre. Première touche de balle intéressante, le flip reset qui va passer Catalysum. C'est suivi par Alpha. Rizex qui va se décaler sur le côté du virin. Mark Bayet pour relancer. Et en premier sur ce ballon, ce sera Alpha 54. Zen qui ne pourra pas aller chercher le bloc, mais en tout cas qui force cette équipe de Team 3 à jouer rapidement et du coup à ne pas se trouver sur le terrain. C'est aussi ça le fait d'être agressif, c'est de forcer l'équipe adverse à se précipiter dans la relance et du coup d'être moins précis et de pouvoir moins bien construire son jeu. Zen qui une fois de plus vient remporter un duel avec Radozin qui était là devant, c'est pas ce qu'il fait. Il regardait le paysage et puis la Zen qui va mettre le quatrième. Oui, j'ai aucun doute. Je vous l'ai dit. Avant même que la balle elle rentre, je vous l'ai dit, il va mettre le quatrième. Non mais les gars, je connais le sujet. Je connais le sujet, les gars. 4-0. Et bah écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à tenir. On a fait une belle partie du travail. Alpha, dans les airs. Face à Rizex. Zen qui va partir. Oh, c'était une frappe directe, hein, j'ai l'impression.
C'était quasiment en pleine lucarne. Alpha qui relève cette balle. Derrière s'essuie instantanément par Zen. Le flip reset, le air dribble. Il est beaucoup trop fort. Est-ce que Radosin va tenter sa chance? Oui, parce qu'en plus de ça, il y a eu un très bon bump. Radosin qui prend le reset. Encore une démolition. Et c'est le cinquième. Non mais c'est... Ils peuvent pas jouer la team 3. Ils sont en train de s'insulter entre eux. Ils sont en train de s'insulter. Regardez, les 50 perdus. La démolition, double démolition de Zen. Il a supprimé les gars. C'est-à-dire que Zen, déjà, quand il y a 3 joueurs en face de lui, il les efface avec le ballon, il les passe. Et en plus de là, il les supprime du terrain maintenant. Il leur dit, les garçons, c'est fini le jeu. Vous ne jouez pas face à moi. Vous ne jouez pas. Vous touchez pas le ballon. C'est votre ballon? Non, c'est le mien. Vous le touchez pas. Voilà. Allez. 2 minutes restantes. Ça semble très bien parti. On va suivre tout ça, bien évidemment. Attention, la frappe de Marc Bayet. Oh, Yanis. Yanis, ma grosse saucisse. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Encore la squishy save dans la lucarne. Non, ils sont injouables. Non, mais force à Team 3. Force à eux, hein, franchement, qui sont venus, qui n'ont pas démérité, mais... Là, c'est injouable. C'est injouable. C'est injouable. Il reste une minute. On va la prendre avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de bonheur. On va juste en profiter, les amis. Vous savez ce qu'il vous restera à faire, bien évidemment. De faire du bruit pour aller signer cette deuxième victoire de la journée. Non, magnifique. Hein. Peut-être le match le plus abouti de la journée. Alors, c'était pas là où ils ont le mieux joué en face, mais... Nous, on a été injouables. Il n'y a quasiment pas un truc de raté. C'est une folie. Le nombre de buts, de solo play, de team play, de 50-50 gagnés, de démolition trouvée, c'est une folie. Et Team 3, ça joue. Hein. Croyez pas que là, c'est le day 1. Hein, où tu joues des frérots qui ont acheté le jeu il y a 2 semaines. Hein. Oh là, pff, voilà, ça rentre pas. Le karma a dit, les frérots, 5-0, c'est déjà pas mal. Je vais mettre un poteau sortant sur celle-là parce qu'il faut vous calmer un peu. Allez, attention, cette balle qui n'est toujours pas cadrée. Aucune solution de trouver, malheureusement, du côté de la Team 3. Qui a craqué dans ce dernier match. Après, on va être très honnête. Ça aurait pu être un 3-0, c'était pareil, hein, les frérots. On leur a donné leurs points. On leur a donné leurs points. Et les amis, en tout cas, c'est fait. Il y aura quand même, voilà, encore un kick-off. 3 secondes à tenir. On leur a laissé un but pour le moral. Pour pas leur niquer leur journée non plus, quoi. On va faire un point sur les résultats juste après, les amis. Ça y est, c'est fait! Victoire! Le match est parti, je vous change l'overlay. Contre les Top Cougars. Un match qualificatif, les frérots. Qualificatif. Avec un bon seeding aussi. On n'est jamais passé d'ailleurs en 3-0, si je dis pas de bêtises. On n'est jamais passé en 3-0. On avait fait 3-1 et 3-2. Donc ça serait peut-être l'occasion pour la première fois de la saison de se qualifier en 3-0. Alors 3-0, oula, ma cam elle est là-bas, j'avais pas vu. 3-0, qu'est-ce que ça fait globalement? Eh ben ça fait que t'as un très bon seeding pour les quarts de finale. Tu vas jouer une équipe qui a fini, qui s'est qualifiée en dernier. Donc potentiellement sur le papier qui est un peu moins fort. Après ça veut pas dire grand chose, des fois il y a des équipes qui te choquent. Au final, bah vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu un Vita Carmine. Mais bon, on était quand même moins bon hein, le week-end dernier. On l'a vu hein, contre Carmine, on s'est fait un peu ouvrir. Hein, il faut dire la vérité, ils ont été meilleurs que nous. Donc bon, on n'était pas là pour rien non plus. Si on était en 3-2, c'est déjà qu'on était un peu en galère. Bref, vous avez compris, non ce n'est pas un test lobby, le match il est bien parti les amis. Allez Alpha qui va envoyer cette balle dans le corner, Zen le contrôle, il part dans les airs immédiatement, il se projette, il a passé Toxic, est-ce que derrière on peut tenter le tir? Radosin la frappe, elle est cadrée! Le retour de Toxic, alors Toxic et la vague relative, aka Relating Wave qui étaient mes gods tout à l'heure ne le sont plus. Maintenant mes gods ont changé de côté, mes gods sont orange les amis, merci pour la victoire contre Magnifico tout à l'heure, mais maintenant faut nous laisser gagner. Alpha qui veut essayer d'aller sur le côté du terrain. Zen qui contrôle cette balle. Il est parti dans les airs. Il va se faire bloquer. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a les amis, l'overlay? Il a un problème? Non. Pas de soucis. On est bon. Hein. Allez Alpha. Qui a réussi à passer un premier joueur.
Zen qui veut continuer à mettre de la pression. Ah, malheureusement, il a emporté Radosinho avec lui. Oui, mais Radosin, la frappe. Ouais, il a tenté de faire un petit rebond. Ça ne surprendra pas Relating Wave. Zen qui va peut-être pouvoir tenter sa chance. La frappe. Le missile, monsieur. Oui, l'ouverture du score. C'est une première tentative de Radosin. Relating Wave qui l'envoie très haut. Il se dit, c'est bon, c'est safe, la team. Pas du tout. On n'a pas le score. Comment ça, vous n'avez pas le score? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il y a 0-0 dans la série, qu'est-ce que tu me raras? Tu me racontes, lui. C'est normal, le match, il vient de commencer. La frappe de Zen. Malheureusement, ce ballon qui n'est pas assez décroisé, qui ne surprendra pas la défense. En tout cas, les amis, vous le voyez déjà 1-0 avec une énorme frappe de Zen. Radosin, c'est bien fait, qui passe un joueur. Derrière, il y aura Toxic bien positionné. Alpha dans les airs, l'accélération, est-ce qu'il va aller chercher le 50-50? Peut-être tout seul à double tap, finalement il s'efface au profit de Zen. Et ça va tenir sur la ligne. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'on est en train de montrer pour le moment. Attention Zen, face à Relating Wave, il va falloir tenir, il va chercher le bump. Pour le moment, cette balle, elle n'est pas cadrée. Toxic, my god. My god, il a tiré sur la barre transversale. Incroyable, vrai frère. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'était la première fois où on était véritablement en danger. Et il a décidé d'en découdre avec la barre transversale. Accro dans le corner. Alpha 54 qui va essayer d'accélérer. Il a 0 de boost, hein, donc forcément c'est compliqué. Mais il a un très bon 50-50 en faveur de Zen. Zen qui va chercher la démo sur Toxic. Il ne la trouvera pas. Attention à la relance ici avec Relating Wave. Radosinho qui va se tourner tout de suite pour mettre de la pression. Zen qui est premier, me semble-t-il, mais il ne pourra pas cadrer ce ballon. Il va essayer d'accélérer quand même dans le corner. La frappe, la passe, pardon, pour Alpha. Et derrière, c'est tout en maîtrise. C'est tout en finesse, c'est tout en justesse. Ça fait 2-0. Excellent. Non mais c'est... J'adore. J'adore. Ah non mais j'adore l'équipe. 2-0. Ce que j'aime beaucoup, et ce qu'on avait un petit peu plus de mal à retrouver en tout cas assez régulièrement les semaines passées, c'est le team play, les gars. Vous voyez cette cohésion sur le terrain de je bump un gars, je suis juste derrière, la passe, machin, le truc en retrait. Ça y est, ça on est en train de le retrouver les amis et ça fait extrêmement plaisir. On voit que les joueurs boss qui travaillent, les amis, hein, croyez pas, eux aussi sont déçus entre guillemets de leur première performance. Ils auraient voulu faire beaucoup mieux. Ils auraient déjà voulu aller chercher une victoire, décrocher une place pour le Major. Mais c'est des bosseurs, les gars. Et ils donnent tout pour vous régaler, croyez-le. Ça, vous pouvez en être convaincus. Allez, attention quand même. Oh, le retour de Radosin. Je croyais qu'il n'y avait plus personne, mais il était caché dans les cages, ce petit filou de Radosin. 12 de boost, qui va tenter une fois de plus d'aller faire la parade. C'est absolument exceptionnel. Relating Wave, le contrôle dans le corner. Attention quand même, il y a une petite séquence intéressante là du côté des Top Cougars. Zen qui va repartir, il a réussi à remporter un premier duel. Derrière, il fake Relating Wave, la passe en retrait. Oh, c'était exceptionnel, les travaux étaient encore insane. Même si derrière, on ne peut pas aller chercher le troisième but qui aurait signé une victoire. Hein, le premier point dans cette série, il est peut-être là, le troisième but. Avec Alpha qui malheureusement passe juste à côté de ce ballon. C'est peut-être pas terminé. Radosin dans le corner, en deux temps, en trois temps, en quatre temps. Peut-être ici avec le 50-50. Il a réussi en plus de ça à gêner Relating Wave. Cette balle qui va revenir dans l'axe, mais elle est large. Négocié par Alpha 54 qui va tenter sa chance. Donc finalement il va s'effacer au profit de Zen qui va y aller tout seul. La barre transversale, il ne pouvait pas cadrer ce ballon, mais c'est pas grave, vous le voyez, le travail est fait. Deux buts de différence et les dernières secondes qui sont là, ce ballon qui va toucher le sol incessamment sous peu, peut-être l'occasion d'aller mettre un troisième but. La frappe de Zen, le missile, 3-0 pour aller chercher le premier point pour notre équipe. Excellent. Peut-être l'occasion d'aller chercher les premières balles de match. Et pourquoi pas dans la foulée, notre troisième victoire du jour. Accro dans les airs qui va chercher les démolitions. Il en a trouvé une sur Alpha. La défense derrière qui tient le coup. Oh, c'est un peu compliqué. Mais on ne prend pas le but pour le moment. Alpha qui a encore la ressource. Il va peut-être pouvoir se positionner. Il laisse cette balle à Radosin qui décide de partir très rapidement vers l'avant. Voilà, petite séquence de panique, mais on n'a pas pris de but. On a réussi à remettre un petit peu la main sur le ballon. Relating Wave qui renverse le jeu. Alpha encore. Alpha qui replonge dans l'axe. Le flic ici pour essayer de passer un joueur. Et vous l'avez vu, tout de suite, on se projette pour les démolitions. Nous aussi, on sait aller chercher des démolitions. On a vu que c'est quelque chose qui marchait très bien. On l'accélère, la passe en retrait de la part de Zen. Le tir, oh là 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 là.
La passe, elle est millimétrée. Regardez, la première touche de balle. Ici, il attend, il dash, il revient sur le... Non, mais la vitesse d'exécution! Mais vous vous rendez pas compte, il dash, il revient sur le mur. Au moment où il revient sur le mur, il pousse la balle. Derrière, il fait... Non, vraiment. Vous savez quoi, les amis? On va déjà voir, mais je pense que... Ça fait un moment que je vous en parle. Mardi, on se fera une analyse. Vous savez que je veux faire des analyses parce que je fais des analyses un petit peu de replay, des matchs, etc. sur ma chaîne la semaine. On se fera des analyses dans la vue de Zen parce que là, vraiment, ce qu'il est en train de nous faire, c'est une folie. Hein. Et bien évidemment, on fera aussi dans la vue d'Alpha, dans la vue de Radozin. Mais en tout cas, on fera les trois joueurs. Peut-être qu'on commencera par Zen parce que là, il nous fait des trucs qui mécaniquement sont quand même aberrants. Allez, attention à ce ballon quand même. Qui est cadré, petit moment de flottement. Ouais, c'est unlucky, hein. C'est un pinch qui part lucarne opposée, c'est pas très grave. Ça arrive, bien évidemment on aurait préféré que ça n'arrive pas. Radozin essaie de s'amener cette balle. Il a eu le contre, Alpha qui va venir défier dans les airs toxiques. Ce ballon qui va quand même rester dans notre camp. Le wall clear de la part de Zen. Cette balle qui repart de l'autre côté. Et là, Radozin qui devrait avoir cette balle, qui veut la faire replonger dans l'axe. Malheureusement pour nous, Zen a été démoli par Toxic. Toxic le revoit là à l'œuvre, qui cherche la passe en triangle. Attention quand même à ne pas se faire surprendre sur cette frappe lointaine. Toxic en deux temps dans le corner. Très bien bloqué par Zen. Relating Wave qui va décider de repartir depuis son arrière-garde. Mais il n'avait pas vu qu'il y avait un Zen très énervé qui arrivait sur ce ballon. Est-ce que Radozin a le temps de se positionner? Oui, en plus de ça, il va pas prendre de risque. Hein, il l'a mise un petit peu sur le côté. Toxic dans le corner pour Radozin. Attention quand même au contre favorable. Zen qui va repousser de l'autre côté du terrain. C'est bien fait. Radozin qui fait la différence. Relating Wave, la passe back pour son coéquipier. Mais tout de suite, voilà, on se projette. Zen qui fait le petit fake challenge. Alpha qui prend le 50-50. Et regardez, on a nos trois joueurs qui sont bien positionnés sur le terrain. Alpha, il est allé libérer des espaces. Radozin qui essaie de passer en force. Pour le moment, c'est bloqué. Regardez, Zen, la communication tout de suite. C'est Alpha qui récupère. Accro. Il a encore de la ressource, il va chercher le bump, il est suivi de très près par Toxic. Finalement c'est Relating Wave en troisième joueur qui était parti dans les airs. Zen qui ne se jette pas, il a vu qu'il était devancé. Alpha qui ne pourra pas continuer. Et ce match qui se calme un petit peu pour le moment, qui se joue dans le milieu de terrain. Il y a eu une démolition, on l'a vu, de Radozin. Malheureusement on ne peut pas profiter de cette supériorité numérique immédiatement. On n'a pas réussi à construire notre jeu en conséquent. Zen, très bon 50. L'accélération de Zen, il a tenté la frappe directe. Il y avait Relating Wave le long du premier poteau. Relating Wave qui veut relancer plein axe. Ah, il est bien suivi par son coéquipier. Mais nous aussi, on a eu le temps de faire notre repli défensif. Qui va prendre cette balle, de Zen ou Alpha? C'est Zen qui part le long du mur et qui fait un très bon travail. Supplé instantanément par Alpha 54 qui est parti. Attention, le air dribble, il va tenter le bump. Pour le moment, c'est récupéré par Toxic. Zen qui veut partir dans les airs, mais il est stoppé malheureusement par Relating Wave. Radozin, attention quand même, le travail est bon. Alpha aussi, mais ça va être en faveur des Top Cougars. Et le bon bloc juste à côté de la lucarne. Ils n'ont pas énormément d'action, les Top Cougars, mais dès qu'ils arrivent dans notre camp, ils sont quand même dangereux. Il faut faire attention aux contre-attaques, ils sont très vifs là-dessus. Zen pour la frappe, ou très certainement, je pense, peut-être une passe pour Alpha 54. Ça n'a pas trouvé preneur. Wall clear, corner clear de la part de Radozin. Et ce ballon qui repart complètement de l'autre côté du terrain. Accro qui a passé un premier joueur, il y a pas mal de champs pour Radozin, il essaie d'écarter le jeu sur Alpha qui va replonger avec son sailing shot dans l'axe. Alpha, oh attention, ça pourrait surprendre, Radozin pour la frappe, croisé, et ça fait 2-1, c'est absolument parfait. Les démolitions des joueurs de part et d'autre du terrain pour mettre de la pression, regardez, double commit, Radozin qui attendait l'erreur et ça fait 2-1. Oui monsieur, et l'excellent travail bien évidemment d'Alpha. Attention au kick-off, on le sait, ça nous coûte souvent cher. Cette fois-ci, on l'a bien négocié. Alpha qui bloque ce ballon, est-ce qu'on aura un joueur orange à la retombée? Non. Et attention, Accro, il est bien positionné pour aller chercher des bumps. Heureusement, c'est Zen, hein, premier joueur qui tout de suite lui a subtilisé le ballon. Le revoilà Zen, qui a décidé d'œuvrer aussi bien en défense qu'en attaque qu'en défense. Zen, la pression sur Toxic, un ballon pas évident pour Relating Wave. Il est obligé de la rendre plein axe. On l'a bumpé, mais attention parce que là c'est Radozin qui doit défendre tout seul. Surtout qu'il y a eu une nouvelle démolition. Radozin encore. Et ouais, la démolition qui nous fait très mal. Ça joue du côté des Top Cougars de partout. Les serveurs RL sont down. Espérons que nos serveurs à nous ne le soient pas ici.
Allez, Zen. Qui va atteindre la balle, qui va complètement brain Relating Wave. La démolition qui était cherchée, il a quand même passé deux joueurs. Il met la pression à accro, il a bumpé, Alpha la frappe. Il y a eu le retour de Relating Wave, mais qu'est-ce que c'était bien joué. Radosinho, attention, qui a un peu rendu le ballon. Il va essayer de repartir en marche arrière. Tout le monde se pousse. Radosin, la démo, c'est peut-être open. Non, il y avait encore accro qui traînait dans ce milieu de terrain. Frappe l'antenne de Z, attention, c'est cadré. Hein. Oh, c'était juste à côté. Mais c'est peut-être pas terminé ce ballon qui n'a pas touché le sol. Radosin qui l'envoie sur le backboard. La balle est toujours en vie. Tant qu'elle n'a pas touché le sol, les amis, on peut peut-être aller chercher le but de la victoire avec Zen qui va aller prendre le flip reset. Il est passé juste en dessous. Pour le moment, c'est défendu par Toxic. Radosin, il veut y retourner. Il a bien raison. Il a fait une première grande différence. Radosin qui va aller prendre le flip reset. Attention, il envoie cette balle sur le backboard. Accro qui défend. Non, c'est dommage, les amis. On n'aura pas réussi à marquer sur le buzzer. De partout, overtime. Allez, il faut le marquer ce but. Il est important pour tout de suite faire marquer le break dans la série. Instaurer le break et s'offrir les premières balles de match. Alpha, 18 de boost, qui va réussir à renvoyer cette balle de l'autre côté, mais ça arrive directement sur accro. Zen pour Toxic. Toxic, attention, il a encore de la ressource. Il va faire une bonne passe à Relating Wave qui a été bumpé. Et là, il faut, voilà, on a un petit peu de temps. Zen qui la renvoie tout de suite devant, qui a boom cette balle. Accro qui essaie de temporiser, je sais pas s'il avait un coéquipier ou juste il jouait le 50-50. Peu importe, en tout cas, ce qu'on voit c'est qu'ils ont toujours le contrôle du ballon, ils sont dangereux dans notre surface. Il va falloir essayer de ressortir proprement, ça sera pas tout de suite. Avec Accro qui envoie un ballon, au Radosin peut-être la lecture, il l'envoie vers l'avant, Alpha encore. Elle était très dure, cette balle, ça c'est super. Encore un bon bump de qui a été cherché, mais Relating Wave il a pas bougé, hein, le frérot, sans déconner quoi. Allez, on pire sa voiture, Alpha. Il a du boost, il a de l'espace. Est-ce qu'il peut faire une passe en retrait? Je crois qu'il a tenté la double tap direct, les amis, si je ne m'abuse. Zen, touche de balle intéressante dans les airs, mais malheureusement, aucun coéquipier pour trouver preneur. Et là, il n'y a personne en défense, ça me fait un peu peur. Allez, Toxic, il va y aller tout seul. Allez, Radosin, premier homme ici, qui ne va pas se faire avoir. Pas naïf ici, le Radosin. Alpha qui a démoli Toxic. C'est plutôt à notre avantage. On préfère voir ça dans notre défense que l'inverse. Un ballon qui revient dans l'axe, Zen est un petit peu court, hein, me semble-t-il, au challenge. Il a quand même gêné, attention, ça revient sur Alpha tout de suite pour Radosin. S'il fait la différence, Radosin, ça peut libérer pas mal d'espace, il décide de repartir au sol. Le rebond ne sera pas favorable, ne trompera pas accro. Cette balle qui rebondit sur le backboard, Relating Wave qui va malheureusement devant ses Zen. Et là, il faut pas lui laisser la possibilité de jouer. Alpha qui va temporiser en deux temps dans le corner, une balle dangereuse, mais Radosin est largement premier. Radosin qui va accélérer, peut-être pour Alpha, Radosin il y va encore avec Zen derrière. Le jeu en triangle, le jeu en passe, Alpha la double tap et le retour, ça de Relating Wave, c'était très bien joué. On arrive à se jouer et à se trouver dans des petits espaces, mais malheureusement on ne trouve pas la faille encore. Allez, Zen qui a un peu rendu malheureusement cette balle à Toxic. La frappe de Radosa qui s'efface. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué le fake. Et quelle parade d'accro, quelle parade d'accro juste derrière, parce que là c'était très très bien joué. Alpha 54 qui va relancer, il y a pas mal de démolitions qui sont à notre avantage. Malheureusement, à chaque fois, on a le dernier joueur de cette équipe des Top Cougars qui arrive à tenir. Et on ne peut pas véritablement en profiter. Alpha 54. Zen qui remet dans l'axe. Pour le moment, il en est obligé de rendre ce ballon à l'adversaire. Attention à Accro qui pourrait tenter sa chance ici. Cette tentative qui n'est pas cadrée. Zen, on le voit, qui fait une petite touche de balle. En fait, il veut juste s'amener ce ballon tout doucement pour ne pas le rendre à l'adversaire. Zen dans le corner. Accro. Oh, attention, cette touche de balle, elle peut être dangereuse. On avait du monde pour défendre sur le backboard. Frappe directe ici. Le petit double commit. Attention, ça commence à être la panique. Heureusement que ce pinch va nous faire du bien. Va nous permettre de respirer un petit peu. Même si Accro, il a le temps de contrôler. Ouais, on va le gêner, hein. On le force à sauter. Zen qui va se présenter dans les airs face à Relating Wave qui va remporter son duel. Alpha encore. Allez, le pinch il a tenté. Allez, Radosin, il y a peut-être quelque chose à faire. Alpha il va aller chercher le bump ici. Il ne le trouve pas malheureusement. Cette frappe elle était cadrée. C'est peut-être à Zen d'aller trouver la solution tout seul dans les airs. Il ne l'obtiendra pas. Une très bonne défense encore une fois de Relating Wave. Attention qu'a trouvé une faille ici. Alpha qui peut se replacer. Les serveurs sont down. Mais couille les serveurs. Est-ce que c'est notre problème pour le moment? Il est pas down le notre serveur. Oh mon dieu. Oh. Allez, on se reconcentre dans le match. Radosin sur le côté du terrain. On croit que je suis le SAV d'Epic Games. On croit que c'est moi qui vais brancher les câbles, les frères. Allez, Zen dans le corner, en deux temps. Ce ballon qui va revenir. 4 minutes d'overtime déjà, hein, les amis. Donc ça rajoute de la fatigue à cette rencontre. C'est un match
très important. Oh là, on est deux sur le backboard, on n'est pas très bien positionné. On arrive quand même à trouver Radosin à la retombée. Faudrait prendre ce boost. Oh, c'est dedans. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Let's go. La chatte à Radosin. La chatte à Radosin. La chatte à qui? La chatte à Radosin. Oui, monsieur. Tous ensemble. La chatte à Radosin. La chatte à Radosin. Let's go. Excellent, Radosin. Potentiellement décisif, vous le voyez. L'écharde n'aura pas raison pour le moment. Allez, attention les démolitions. Ils cherchent à être très agressifs, les Top Cougars. Dès l'entame du match, Toxic qui récupère cette balle. Radosin la frappe lointaine sur le backboard. Ce sera défendu. Oh, par Relating Wave qui s'est troué. Mais c'est sans conséquence pour les Top Cougars. Allez, Toxic. Radosin. Oui, c'est très bien fait. Qui se jette dans les airs et qui vient récupérer le duel. Peut-être même la démolition, il ne la trouve pas pour le moment. Je trouve Relating Wave très bon, les amis, quand même, dans cette série. Depuis tout à l'heure, il est partout, il défend, il esquive les bumps. Il fait une très belle série, Relating Wave. Globalement, les trois joueurs du Top Cougars qui sont en forme. Même si ça fait 2-0, mais voilà. Franchement, si on va chercher le 3-Z, je serais content. Parce que t'as pas envie de jouer sur un BO5. Oh, le contrôle, le flip reset fake et l'enclenchement du flic pour passer les trois joueurs et aller chercher le 1-0. Oui, mon Radosin. Excellent. Excellent. Magnifique, les amis. 1-0. Non, mais aujourd'hui, c'est magnifique. On a le team play, on a les démos. On sait aller chercher aussi les moves solitaires. C'est parfait. C'est parfait ce qu'ils sont en train de nous produire. Allez, Zen, what, tension qui est passé un peu à côté. Il a réussi à se rattraper juste derrière. Il continue pour aller embêter un petit peu Relating Wave. Ouh, la passe en retrait, attention, elle est intéressante. Accro qui va tenter la double tap. Oh, il s'est envoyé une balle, frérot. Il se déteste. Il s'est envoyé un missile, frère. Il s'est sabordé. Mais bon, ça nous arrange puisque on est en train de mener 1-0. Allez, Radosin, peut-être quelque chose à faire. Il va devancer Toxic. Est-ce qu'il peut aller chercher la lecture de cette balle? Non, c'est Alpha 54. Mais qu'est-ce que tu fais, Yanis? Oh, il faisait du camping ou quoi ici, lui? Oh, Théma, le ballon, il est là! Il est déjà en bas! Il avait réservé l'emplacement de la caravane! C'est une folie! 2-0, les amis! Le break est instauré! Ça déroule, ça va vite! Radosin qui est inarrêtable! La démolition ici, à Radosin qui ne peut pas passer malheureusement. Il s'est fait contrer. Radosinho, accro. Ouais, attention, le jeu en triangle là, peut-être intéressant du côté des Top Cougars. On a réussi à le défendre. Cette balle qui va revenir. Le travail de Toxic pour aller servir ses coéquipiers. Mais une fois de plus, on est en place. Alpha le Pins, petit coquin. Il nous en a déjà fait un il y a quelques jours, les amis. La semaine dernière. Pour nous donner la qualification. Et là, ça fait 3-0. Fouh ! Papy ! Ça sent bon, l'équipe. Alors attention, il reste 3 minutes. Je le répète assez souvent, mais un match de Rocket League, c'est jamais terminé. Mais en tout cas, on est content de voir déjà 3 buts de différence au compteur. Allez, attention tout ça, ce kick-off. C'est ça, hein, qui pourrait tout de suite les relancer, hein, kick-off goal, hein, 3-0, boum, tu reviens 3-1, il n'y a plus que 2 buts. Le match est complètement relancé. Vous connaissez Radosin, qui va envoyer cette balle sur le côté du terrain. Il y a du joueur bleu à la retombée, plein mid. Accro. Ouh, cette frappe, et le marabout est avec nous aujourd'hui, qui nous régale de ses transversales sortantes. La balle sur le côté du terrain, Zen qui ne pourra pas y aller, Alpha qui attend sagement, il a passé Relating Wave, il a été un peu gêné malheureusement. Radosin le contrôle, la frappe enchaînée le long du poteau, le retour de Toxic, elle a beaucoup d'espace pour Zen qui va essayer d'accélérer, il a pris le flip reset, malheureusement il a mis cette balle légèrement trop derrière lui, il ne peut pas continuer à se projeter vers l'avant. Accro, d'accord. C'est acrobatie, mon frère, là. J'ai pas compris ce qu'il nous a fait. Radosin, toujours le même, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'impact dans cette potentielle dernière rencontre. Allez, Alpha 54 sur le côté. Il a été démoli. Ils reprennent un petit peu le contrôle du ballon, mais ils sont pas véritablement dangereux. Est-ce que Zen peut aller chercher un flip reset? Il cherche le 50-50 pour Alpha derrière, qui lui aussi va remporter son duel. Et ça fait 4-0. Aïe, aïe, aïe. Non, les travaux sont insane. Juste, spammez les émotes. Dites-vous que chaque émote que vous spammez dans ce chat est un applaudissement pour les joueurs et pour notre coach.
bien évidemment, Ferry Pick qui bosse aussi. Ah non, c'est incroyable. Allez, Milka. Oh, le cinquième. Bon là là oh Vitality de retour. Quel tir. Pouh. Magnifique. Allez. On va pouvoir danser l'équipe. Les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Pour notre quart de finale, demain, je serai en costume abeille, c'est le retour. C'est le retour du buff abeille. C'est le retour du pyjama abeille, les amis. Parce qu'en plus, je viens de me souvenir que la dernière fois, vous avez tout pété avec Ygral, j'aurais dû le mettre aujourd'hui, je viens de m'en rappeler maintenant. Donc je le mettrai demain. Ainsi que pour toute la fin du week-end. Parce que je vous ai un peu douillé, la team. Donc ça sera le retour du costume abeille tout le week-end, déjà pour le quart de finale. Et si on va plus loin, bah pour la suite. Allez Alpha, la frappe directe, c'est plein de lucarne. Oh, toxique. Radozin la passe dans l'axe pour aller chercher Zen qui remet sur Radozin, on ne va pas se trouver malheureusement. Le contrôle de Zen et la dernière minute de jeu qui est là, un 5 buts. Là c'est très compliqué de revenir pour les top Cougars. C'est une folie ce qu'ils sont en train de nous faire les amis. Quelle prestation, je vous rappelle que Top Cougars, ils ont river sweep BDS hein, juste avant. C'est une grosse équipe Top Cougars aujourd'hui. Hein. Pas que, mais aujourd'hui encore plus. Et pourtant, regardez, ils sont en train de danser le mambo italien sur leur ligne. Ils peuvent rien faire. 19 secondes restantes. Oui, vous ne rêvez pas. On va aller chercher la qualification 15 secondes. Ah, c'est là, on voit un visage de l'équipe qui est... Non, c'est seed numéro 1, c'est... Allez, merci. Hein. C'est une folie. Hein. Ça veut dire que potentiellement, on aura l'équipe la plus faible. Entre guillemets, hein. Il n'y a personne de faible hein, à ce niveau-là. Mais vous avez compris, il y a des équipes qui sont quand même plus fortes que d'autres. Hein. Pour le quart de finale qui aura lieu demain, c'est pas encore l'heure les amis. En tout cas, c'est fait, victoire!